Qu'est-ce qui détermine, selon vous, le meilleur choix de traitement du VHC selon le type de patient? Alors en fait, c'est efficacité, tolérance, simplicité. Alors évidemment, il faut que le traitement permette d'obtenir, on va dire, entre au moins 95% de réponses virologiques soutenues. Ensuite, il faut qu'il soit bien toléré, c'est-à-dire que si on peut ne pas traiter sans interféron et sans ribavirine, c'est encore mieux. Donc on va privilégier ce type de traitement. Il faut que le traitement soit court. Alors idéalement 12 semaines, dans certaines situations on peut aller jusqu'à 24 semaines, dans d'autres situations on peut même raccourcir jusqu'à 8 semaines, et puis simple, c'est-à-dire qu'avec le moins de comprimés possible et le moins d'interactions médicamenteuses possible. Alors, cette diapositive, c'est juste pour vous dépeindre l'image de l'accession et de l'accès au traitement en France.